Alors, je reviens faire le tirage de la semaine, donc du 1 au 7 novembre, d'accord? Du 1er au 7 novembre. En France, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on parle de cycle. Alors, d'ailleurs, je crois que la nouvelle lune, c'est bientôt. Alors, le cycle, ça veut aussi dire 28 jours, hein? Culpabilité, violence. Aïe, aïe, aïe. Alors, s'il vous plaît, pour la semaine du 1er au 7 novembre. 1er au 7 novembre, s'il vous plaît. Je continue toujours à entendre maintenant, d'accord? Maintenant. Bougez maintenant. On a le père, beau, merveilleux, et on a les enfants. Donc pour moi, on a passé un cycle hein, où on a beaucoup regretté, culpabilisé. Ça a été assez violent, hein. C'est voilà, des lois assez violentes, hein, des obligations assez violentes pour certaines, pour certains. Là, on a le père. Donc pour moi, quelqu'un de haut placé, d'accord, qui va faire quelque chose de beau, de bien concernant les enfants. D'accord? Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous avez encore des messages à nous donner? Alors, on a s'adapter. Moi, je vous dis vraiment, on rentre dans la fin, hein. Je pense que là, c'est vraiment. Alors, on va prendre celles qui se sont retournées, d'accord? Alors, on a affectif et accusé. Alors, surtout, faut s'adapter à ce qui va arriver. OK? Restez dans l'amour, hein. Il va y avoir énormément, énormément d'accusations. OK? Alors, s'il vous plaît, ça saute tout seul. Alors, il y a la parole sur le cycle, hein. Donc, les gens qui vont parler. OK? Les gens qui culpabilisent peut-être, hein, de ne pas avoir compris avant ou de ne pas avoir parlé avant. D'accord? Voilà. Alors, on a l'enfermement. Donc l'isolement, vous voyez, je vous dis, hein, certainement, garder la maison, voilà. Il va vraiment falloir rester à la maison hein, pour enfermer, même, voilà, pour, ben, pour moi, finir ce nettoyage. Hein. Sur le père, on a la clairvoyance, hein, donc il maîtrise bien les événements, il a beaucoup réfléchi avant d'agir, voilà. En même temps, c'est quelqu'un qui a des prémonition, hein, qui a des dons, voilà, qui suit beaucoup son intuition, qui est très intelligent. Alors voilà. Par contre, hein, ça nous mène à quelque chose de fatal. Hein. C'est la destruction, la chute, la ruine, hein, d'accord? Voilà. Il faut absolument je vous dis, hein, détruire cette équipe satanique. On n'a pas le choix, d'accord? Alors, concernant les enfants, qu'est-ce que vous pouvez nous préciser concernant les enfants, s'il vous plaît? Concernant les enfants. Alors, il va y avoir une évolution par rapport aux enfants, une amélioration, d'accord? Alors, ça bouge, hein, concernant les enfants. D'accord? Voilà. Sur s'adapter, on a l'illusion. Attention à ceux qui sont dans l'illusion et qui ne comprennent pas ce qui se passe. Hein. OK? Concernant l'affectif, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour l'affectif? Oh, il y en a beaucoup qui sont sortis. Bon. Alors, on a la sexualité. Donc, voilà, faut vraiment s'adapter. Vous voyez, rester dans l'amour, la sexualité, c'est les relations physiques aussi. Hein. Donc, vraiment rester soudé, ok? Dans l'amour et soudé. Il va falloir s'adapter et aider ceux qui sont encore inconscients, hein, ceux qui dorment encore, d'accord? Alors, on a l'accusé, eh bien, on a les examens, hein, donc c'est exactement ça, hein. Ils vont être mis en examen, d'accord?
Et il y a des nouveaux projets, voilà, concernant ben, l'interruption, hein, la couture avec ces gens sataniques. D'accord? Voilà. On va découvrir aussi quelque chose. Hein. Là, il faut vraiment qu'on reste soudés. Moi, il y a des gens, hein, je vois, qui vont prendre la parole. Alors, je ne sais plus quand est-ce que c'est cette nouvelle lune. Le 3 ou le 4, je crois. Hein. D'accord? Voilà. Alors, après, ici, attention aussi, hein, quand vous me parlez de camps, hein, oui, alors moi j'ai eu un message. On me dit que ça serait des camps, mais alors surtout pour les personnes qui ont été éclosées. D'accord? Parce qu'ils sont très contagieux. Donc attention, hein, mais bon, ici, je ne pense pas qu'on peut voir ça comme ça. Moi, je vois que y a quelqu'un de haut placé qui va prendre la parole, qui va sortir des vérités. Pour moi, c'est l'armée, d'accord? On va être isolé un petit peu, enfermé, hein? On va être à la maison pour être en sécurité, ok? Il y a une évolution pour les enfants. Par contre, ben, on va vraiment à la destruction de ce qui se passe actuellement. On n'a pas le choix, voilà. D'accord? Il faut vraiment arriver à accuser et examen. Pour moi, vous voyez, c'est vraiment mettre. Pour l'instant, je pense qu'ils sont comment on dit, en examen? Comment on dit? Ben voilà, ils sont accusés, mais pour l'instant, il y a des enquêtes. D'accord? En tout cas, il y a des nouveaux projets qui arrivent, hein, vraiment, pour les jeter de là. D'accord? C'est la séparation. Voilà, moi, comment je vois la chose et les messages que j'entends. OK? Alors ici, il y en a beaucoup trop pour la France et pour la semaine du 1 au 7. D'ailleurs, regardez Véreux, là, hein, il parle, on voit hein, qu'au fond de lui, il n'est pas. Voilà. Bon, alors, on a l'accident. Donc, vous voyez peut-être quelqu'un qui va parler. Comment dire, accidentellement, hein, voilà. Ici, on a l'héritage. Oh. Alors, on a les finances, l'argent, on a l'air. Pour moi, ce serait bien quelqu'un qui arrive en avion, hein. Ce serait plus l'avion. Donc, moi, c'est pour ça que je vous dis vraiment l'armée. D'accord? Ici, on a le travail. Ici, on a l'automne. Donc, c'est maintenant, hein? D'accord? Alors, on a l'union et l'amour. Vous voyez, il faut vraiment s'unir, hein? Voilà. On a la bonne nouvelle. On a la femme âgée. Une femme âgée, peut-être, qui sera mise en examen. Et on va vers la guérison parce que les secrets, hein, vous voyez? Les secrets vont être dévoilés, même si il a fallu beaucoup de patience et que ça a été lent, que ça a été long. D'accord? Je suis tout à fait d'accord avec vous, ça a été très très long. Mais voilà, pour moi, vraiment là, on est vraiment dans les derniers temps. Hein, d'accord? Là, on était vraiment. Il n'a pas menti quand il a dit qu'on était en guerre. On était vraiment en guerre. On était en guerre. Voilà. En guerre sage, en guerre silencieuse, d'accord? Mais il y en a, voilà, qu'ils ont travaillé en sous-marin hein, pour éviter justement les combats. Par contre, là, moi, je vous dis que quand même, j'entends toujours, et là, avec la maison, l'enfermement et tout, j'entends toujours le confinement, hein, on va y avoir le droit, hein, d'accord? Mais c'est le temps de faire le travail. Hein. Travail de la guérison. D'accord? Voilà. Alors, on va demander, s'il vous plaît. Alors, regardez, on a l'ennemi pour la semaine du 1 au 7 novembre, s'il vous plaît. On a l'ennemi. Alors, celle-là, elle a voulu venir. On a l'automne, hein, donc c'est ça, hein. On est vraiment dans le moment, hein, dans l'instant T.
Et vous voyez, l'ennemi, là, pour l'instant, il est dans la merde parce que ben, il doit batailler pour trouver sa place. Il a même plus sa place, hein, d'accord? Voilà. Alors, s'il vous plaît. Alors, on est protégé par l'univers, on a les anges, hein, d'accord? Mais il faut surtout continuer à leur demander le soutien, très important. Je mets des bougies et alors, on a le doute. Il y a des gens qui sont encore perplexes, hein, d'accord? Alors, s'il vous plaît. Mais il y a aussi un doute contre l'ennemi, hein? Donc, des choses qui vont. On a la naissance. Donc, un nouveau projet. Malgré qu'il se méfie, enfin, voilà, malgré qu'il faut se méfier, il a quand même des nouveaux projets, hein. Vous voyez, regardez, on a donc un nouveau projet parce qu'on a l'été, hein, on voit, hein, d'accord, voilà. Et regardez ce que je sors. Voilà, on a le bateau, d'accord. Donc il y en a qui vont essayer de s'évader, mais ça peut être un contact aussi avec l'étranger. Et on a l'isolement, vous voyez, encore une fois. Et on a la compassion, sympathie, empathie, la pitié, voilà. Bah écoutez, pour moi, franchement, l'ennemi a encore un nouveau projet pour nous casser les pieds, voilà. Il y en a encore qui sont dans le doute, qui comprennent rien, d'accord, voilà. Mais on est protégé par l'univers. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un d'étranger qui va arriver, voilà. Et je vous dis, on va être à nouveau isolé. D'accord? Donc, alors, on a les oiseaux. Vous voyez, on va avoir des nouvelles, hein. On a les armes. Donc, pour moi, ben, c'est l'armée et la justice, encore une fois, hein. Donc, on va entendre parler qu'il y a quelqu'un qui est accusé, qui va être condamné, hein, pour moi, avec les oiseaux, les armes et la justice. La justice va, pour moi, voilà, avouer que tout ça, c'était de la trahison, hein, d'accord? Alors, s'il vous plaît, alors, je ne sais pas qui, hein, mais en tout cas, un ennemi. Alors, on a beaucoup d'ennemis, hein. Après, il est possible que il y en ait plusieurs hein, qui tombent, hein, c'est tant mieux. Plus vite c'est fait et plus vite on sera tranquille, hein, voilà. Ah, il y a une carte de retournée. Si vous voyez, ils sont vraiment, voilà, ils sont addicts, hein. Ils sont addicts à leur connerie, hein. OK? Alors, s'il vous plaît. Toute façon, il n'y a que ça qui sache faire. Alors, comme ça, ben, on n'est pas trop. Et alors après, je ferai une guidance. Je demanderai aux anges et aux guides et tout ça, les conseils qu'ils peuvent nous donner pour cette semaine. Hein, okay? Alors, s'il vous plaît. Aux archanges et tout ça. Pour la France, la semaine du 1er au 7 novembre. Après, il y a beaucoup de choses de cachées. Vous voyez, regardez, ils sont vraiment addicts à leur trafic. Hein. Ils essayent de trouver un nouveau plan vraiment pour mettre leur trafic, donc leur picouse et tout ça. Hein. Pour eux, c'est une addiction, d'accord? Ils combinent, ils manigancent. Hein. Ils veulent vraiment qu'on perde le contrôle de notre vie. Hein. Alors, vous voyez, avec l'addiction, moi, je vois ben, qu'on essaye de nous gérer à distance, vous voyez, à puce et tout ça. Ça, c'est leur trafic qu'ils veulent vraiment mettre au point avant de partir, avant de n'importe quoi. Surtout, alors, bon. Prenez pas de décision hâtive, c'est pas la peine, hein. Ça, c'est bientôt fini. Alors, je sais pas ce que ça vient foutre là-dedans, ça. Mais bon, j'ai possession. Je pense que ça vient. Il y a des choses vraiment bizarres qui se passent chez moi en ce moment, mais alors, je vous explique même pas. Vous voyez, voilà, il y a un cadeau, hein. Il y a un cadeau pour nous, d'accord? Il y a une rencontre, hein, vous voyez, une invitation, voilà, une nouvelle connaissance. Hein. Alors, bon, ça bouge. Ça bouge, voilà. Tant mieux, parce que là, franchement, il y en a ras-le-bol. Hein.
Moi, je vois qu'il y a des gens qui n'en peuvent plus. Hein. Alors, et puis arrêtez d'aller écouter des chaînes qui vous racontent n'importe quoi, hein, d'accord? Arrêtez, parce que franchement, ça vous tape sur le ciboulot, ça va plus. Vous êtes déjà dans la peur et vous avez encore plus peur. Enfin, moi, après, je ne vous donne pas d'ordre. Hein. C'est un conseil que je vous donne. Si vous allez sur une chaîne, vous sentez que ça vous fait peur, que vous n'êtes pas bien, bah, arrêtez. Arrêtez, franchement, arrêtez. Alors, qu'est-ce qui va encore être sombre cette semaine? Vous voyez, voilà, on est encore dans un gouffre et ça va nous emmener aux angoisses. Ce sont des sentiments incontrôlables. Vous pensez cela, oui, au moment précis où vous le vivez. Personne ne peut comprendre ce qu'on vit. Respirez, centrez-vous et écoutez. Une personne peut comprendre ce que vous vivez, vous. Vous voyez, votre intuition, votre petite voix, d'accord? Reprenez les rênes de votre vie. Acceptez enfin de couper les liens toxiques que vous entretenez avec vos pensées et votre culpabilité. Vous avez vu, culpabilité, c'est les premières cartes qu'on a sorties. Vous ne pouvez pas vaincre l'angoisse, essayez plutôt de l'accepter, de l'apprivoiser en vous. Vous avez la capacité, ne doutez pas de votre réussite. Prenez conscience que ce sont de simples sentiments qui vous détruisent, comme ce sont de simples sentiments d'amour et de compassion qui vous construisent. Alors, soyez juste avec vous, d'accord? Soyez, c'est pas grave si vous vous êtes fait pécouser et tout ça. Vous avez eu peur, voilà, vous étiez angoissé. Ben, c'est pas grave. Il va falloir vivre avec. D'accord? Voilà. Alors, s'il vous plaît, quel est le côté lumière à laquelle on va avoir le droit? À quelle lumière on va avoir le droit pour cette semaine du 1 au 7 novembre, s'il vous plaît? Côté lumière du 1 au 7 novembre pour la France. Voilà. La foi. D'accord? On y arrivera si on garde la foi. Okay? La foi. La foi peut prendre différents visages. La foi en votre âme, votre enfant intérieur. L'aimez-vous? Le chérissez-vous? Êtes-vous prêt à prendre soin de vous pour avancer avec foi dans la vie? Elle est une arme puissante qui puise sa force en votre cœur. La foi inébranlable que la vie s'ouvre à vous, que la vie dans l'au-delà est aussi présente que l'eau d'ici. Avoir foi en ce que l'on ne voit pas. Vous voyez, il y a des choses qui se passent, qu'on ne voit pas, hein, d'accord? Mais continuez d'y croire, parce que ça avance. S'il n'y avait rien qui se passait en sous-marin, figurez-vous qu'on serait déjà tous picousés. Figurez-vous qu'on nous aurait déjà envoyé tout la smalo chez nous pour nous picouser de force et tout, d'accord? Donc, voilà, surtout, ayez la foi. Hein. Vous ne voyez pas le vent, mais vous pouvez le sentir. Peut-on dire pour autant qu'il n'existe pas? Il en va de même pour nos êtres chers. On ne peut pas les voir, mais les ressentir, d'accord? Voilà. Donc, vous inquiétez pas, faites confiance à l'univers. On va encore nous foutre dans un gouffre, ça va encore nous angoisser, mais, l'univers est là pour nous aider. D'accord? C'est très important. Je sais que ça commence à être galère, qu'on commence à plus y croire, je le sais très bien, mais franchement, vous allez voir que tout ça, c'est bientôt terminé, les amis. C'est mortibus. Ils ne peuvent plus rien faire. Eux aussi, ils sont dans un gouffre et ça les angoisse. Hein. D'accord? Voilà. Alors, s'il vous plaît, pour la semaine du 1 au 7 novembre pour la France, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour la France pour cette semaine? Du 1 au 7. Voyez, il y a le repos et les parents. Et vous voyez quelque chose de mieux. Voilà. La corne d'abondance. Vous voyez? C'est peut-être un repos obligatoire pour les parents, mais c'est pour aussi reprotéger leurs enfants, hein, comme il se doit. D'accord? En tout cas, on va vers quelque chose de mieux. Et regardez, on a le déplacement et la route. D'accord? Donc, pour moi, quelqu'un qui vient à nous, hein, ben ouais, on va être mis au repos, hein, certainement, mais c'est pour aller vers quelque chose de plus joli. Hein.
Alors, pour l'armée, est-ce que l'armée va... Arrestation, prison, vous voyez. Alors, est-ce que l'armée va être dévoilée? Alors, regardez ce que j'ai. J'ai arrestation, prison. J'ai l'étang. D'accord? Regardez. Pédophile, viol. Pédophile, viol. Vous voyez, on va apprendre plein de choses. Je vous jure que c'est vrai. Regardez. Il y a perte et défaite. L'automne. Pour les pédophiles. D'accord? Vous voyez? Et regardez. Ils vont nous emmener à la libération. D'accord? Moi, je vous dis, allez, encore un petit mot. Et vous allez voir qu'on va être tranquille avec ça. D'accord? Voilà. Allez, on reste positif, hein? On sait, de toute façon, on va y arriver. Il n'y a pas de choix. On ne peut pas donner raison à Satan. Non, non, Satan va retourner faire dodo, bien tranquille, et puis il va nous lâcher la grappe. Hein? D'accord? Voilà. Alors, tout ça, c'est l'équipe de Satan, hein, mais Satan, voilà. Il va. Allez, passe-temps. On n'en veut pas. D'accord? Allez, on continue à allumer les bougies, on continue à prier pour ceux qui prient, on continue à demander à l'univers, voilà, on continue à avoir la foi. Si on a la foi, on va y arriver. Ok? On continue aussi à être dans l'amour. D'accord? Voilà. Donc, pour ceux qui ne sont pas dans l'amour, pas la peine de venir commenter sur ma chaîne. Parce qu'avec moi, ça ne marche pas. Voilà. Restez dans votre côté sombre. Voilà. Et puis, bah, laissez-nous tranquilles. Voilà. Hein. C'est tout ce qu'on peut leur dire. Hein. Écoutez, vous comprendrez peut-être avant qu'il ne soit trop tard, les trolls. Ou peut-être que vous ne comprendrez pas du tout. Ça, c'est votre problème. Hein. Nous, on ne peut rien faire. D'autres pour vous aider. Ok? Voilà. Allez, je vous fais des bisous et puis ben, je vous dis à tout à l'heure pour la guidance.